Rika Zaraï revient. La chanteuse fait son grand retour après avoir frôlé la mort. Victime d'un AVC en 2008, elle donne de ses nouvelles. Rika Zaraï n'y croyait plus. Ce mardi 1er octobre, la chanteuse de 81 ans a fait son grand retour au micro d'Europe 1 dans l'émission d'Anne Roumanoff. Un comeback qu'elle pensait encore impossible alors qu'elle a été victime d'un AVC en 2008. C'est donc très ému que l'interprète de Sans chemise, sans pantalon a donné de ses nouvelles. Ce qui m'a manqué surtout, c'est monter sur scène. C'est le moment où l'orchestre joue l'introduction des chansons et que je dois faire le pas derrière le rideau, a confié l'artiste, qui a confirmé avoir eu les larmes aux yeux en arrivant dans le studio de la radio. Rika Zaraï va mieux, la star a également confirmé qu'elle était à peu près remise de son AVC. J'arrive à parler maintenant. Une grande partie de ma mémoire est revenue, a confié Rika Zaraï, qui a aussi expliqué comment elle s'en est sortie. Je suis une femme bavarde et je crois que la communication avec l'autre est très importante. On ne peut pas vivre seul dans la vie, a-t-elle précisé. Anne Roumanoff, elle, a également dévoilé que Rika Zaraï avait beaucoup travaillé pour retrouver sa mémoire. Elle a notamment lu de très nombreux livres toute la journée, de midi à minuit. Un travail qui a porté ses fruits.